vis-à-vis du Maroc, l'engagement que les consommateurs, les clients marocains ont vis-à-vis de Renault, c'est un chiffre qu'on n'attend pas tous les jours. Et ça montre aussi que la Somaka tient là de longues années devant elle, parce que le marché marocain est en expansion, parce que les pays vers lesquels on exporte, 70% de la production fabriquée ici à Casablanca est exportée, et montre que la Somaka est un acteur industriel non seulement bien dominant pour le Maroc, mais pour l'ensemble du groupe. Le deuxième point important est la signature aujourd'hui de cet accord social entre l'entreprise et son partenaire social, la Confédération des Entreprises du Travail, qui montre que tout au long de ces années, il y a un travail qui a été fait, il y a un dialogue qui s'est bonifié et qui montre qu'il est possible d'arriver sans concession à développer l'activité d'une entreprise et avoir un dialogue social également qui bonifie. Écoutez, notre priorité aujourd'hui, au-delà d'une production à l'expansion, c'est travailler en profondeur l'intégration locale, d'avoir un contenu marocain de pièces, de composants, de constituants qui vont intégrer nos véhicules de plus en plus importants et de passer très rapidement de 40 à 65%. C'est l'objectif que l'on a entre Somaka et bien évidemment Tanger, qui est le site de gros volume du Royaume. Et on a fait 288 000 voitures en 2015. On devrait faire plus de 20% cette année, donc calculer 340 000. On espère qu'on pourra, dans les années qui viennent, se rapprocher le plus vite possible des 400 000 véhicules, qui est la capacité installée qu'on a aussi ici dans le